Mission TV. Il n'y aura pas de liberté provisoire pour le député national Edouard Mwangachouchou, ni abandon de poursuite pour incompétence de la haute cour de juridiction militaire. La haute cour militaire a rejeté toutes les requêtes introduites par les avocats de l'accusé à travers son arrêt rendu hier. Elle se déclare donc compétente à poursuivre en procédure de flagrance l'instruction dans le fond. L'élu de Massissi est jugé en flagrance pour notamment participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et de munitions de guerre. L'organe de la loi a été chargé d'examiner toutes les pièces liées à l'arrestation du prévenu Mwangachouchou et complice Dieudo Mubinga et Jonathan Tsakala. Plus rien n'arrêtera la poursuite à la haute cour militaire de l'affaire opposant le procureur général au prévenu député national Edouard Mwangachouchou et complice. Demande de liberté provisoire ou conditionnelle, récusation de la flagrance et de la compétence du tribunal à juger un député national, tous ces trois chefs de demande, introduits par l'accusé à travers ses avocats, ont été rejetés en bloc au cours de l'audience du mardi 14 mars à travers cet arrêt. Dix ans droit, dit le mémoire unique du prévenu Mwangachouchou Izzy Edouard, recevable mais non fondé. Rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Ordonne la poursuite des débats quant au fond. Renvoie la cause à son audience publique fixée par voie d'exploit et réserve les frais. Ainsi arrêté prononcé par la haute cour militaire. À l'issue de cet ADD, la haute juridiction militaire de la RDC siégeant en matière répressive en première et dernière essor se déclare donc compétente à poursuivre le fond de l'affaire, avec cette fois-là en prévenu déjà dans le box, le sous-commissaire Robert Mouchamaliwa. L'homme en charge de la sécurité du site minier de Rubaya, où les caches d'armes ont été découvertes entre le 28 février et le 1er mars, avant l'arrestation à Kinshasa, du prévenu député Mwangachouchou. Le ministère public est donc chargé d'examiner toutes les pièces liées à l'arrestation de l'accusé et pourra le présenter à l'audience du 21 mars prochain, devant le même juge. Moire la porte sur les irrégularités et la demande de la liberté provisoire. Vous vous en souviendrez qu'à l'audience passée, nous avions déjà épilogué cette question et votre haute cour nous avait promis de la présenter aujourd'hui. Par rapport au co-prévenu qui s'est pointé maintenant, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, nous osons croire que l'incident que ça pourrait avoir, c'est au fond du litige. Pour l'instant, si votre cour peut nous permettre de développer les moyens que nous avons sollicités dans notre mémoire, ça peut déboucher à ce que notre client continue à être en vie et soit jugé, même en état de liberté. Faire allusion au moyen d'ordre public, maître, la haute cour aimerait savoir quel est ce moyen d'ordre public que vous voulez développer. Le premier moyen, c'est que nous remettons en cause la procédure de la flagrance telle qu'elle se présente, dans la mesure où nous nous sommes rendus compte que la procédure, elle est bel et bien ordinaire, mais pour camoufler le fait que notre client a des immunités parlementaires, il a été présenté ici. Et nous le disons avec une démonstration très simple. Il a été arrêté à 1h du matin, en date du 1er mars 2023. Il ne savait pas de quoi est-ce qu'on les reprochait, mais ceux qui l'ont arrêté ont amené un document signé par les autorités judiciaires et l'ont présenté que nous sommes venus te prendre sur base d'un mandat. Il a vu le mandat, on ne lui a pas donné lire le mandat et on l'a amené à 1h du matin. De la même date, de 13h
À 17h, une équipe de militaires est descendue. Ils ont commencé à fouiller dans sa maison, à perquisitionner sa maison. D'où la présence de tous ces effets que vous voyez. Et c'est au moment de cette perquisition qu'ils vont rencontrer les munitions du GP pour lesquelles il avait obtenu bel et bien l'autorisation. Merci. Merci. Le moyen d'ordre public est celui de l'incompétence de votre haute cour. Monsieur le Président, Madame, Monsieur membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, la Constitution de la République du Congo a tout organisé et a tout prévu. Et les dispositions pertinentes de cette Constitution du 18 février 2006 donnent la plénitude des compétences pour juger un député national à la Cour de cassation. Et là, nous vous renvoyons aux articles 107, alinéa 3 de la Constitution. On vous renvoie à l'article 153 de la Constitution. On vous 153 alinéa 3 de la Constitution. On vous renvoie également à l'article 156 de la Constitution. Monsieur le Premier Président, l'examen minutieux de la Constitution ne laisse aucune place à la haute cour militaire de juger un député national dans la mesure où la Constitution date du 18 février 2018, comme je l'ai dit, mais la loi portant procédure, le code de procédure militaire. Oui. Continuer alors que l'autre n'est pas assisté. Parce que ce que vous dites risque d'énerver ses droits. Et il a le droit de répliquer à ce que vous allez dire. Il n'est pas technicien, il n'est pas assisté. Et aller dans ce sens-là, c'est déséquilibrer le jeu. Or, le souci est que le jeu soit équilibré. Je connais le capitaine qui est là, mais si ce capitaine est venu ici, c'est parce que la compétence du député l'a ramené. Sinon, son juge naturel n'est pas la haute cour militaire. Nous ne tournons pas, monsieur le Premier Président. Non, les faits qui nous sont apportés par l'organe de poursuite, cette concession est considérée comme propriété de votre client. Et dans cette concession, il y a des armes de guerre, c'est l'organe de la loi, c'est l'organe de poursuite qui l'a dit, qui ont été découvertes. Et ce qui fait que il rattache les deux prévus dans un même lien de prévention. Vous avez le droit de soulever toutes sortes d'exceptions, c'est votre droit le plus strict. Mais aussi longtemps que l'autre n'est pas assisté, ne voyez-vous pas qu'il sera déséquilibré? Donc c'est ainsi que pour une bonne administration de la justice, il est de bon droit qu'on lui donne un petit temps pour qu'il se trouve un avocat. Comme ça, nous revenons et l'avocat va entendre ce que vous direz. Il aura aussi un mot à placer et là, le jeu sera vraiment équilibré. Je crois que c'est de bonne politique. Mbote na balandi nyonso ya ma mission TV le miroir du monde to pesi bino merci pour na confiance et fidélité to loba ki ensemble na bino te affaire mon atu tu to kolande na yango liso likolo ya liso ba kongomani nyonso bisika bazwami bazaki ko tuna question ko eba mokolo nini bako condamné mon atu tu o azali bongo
kosamba na flagrance concernant likambo o ba monene boyebi bakenda ki na ko retrouver ba arme lourde na kati ya lopango na ye na ndako na ye pe na concession na ye oyo ezali bongo ko obtenir beaucoup de moyens ya ba ressources na biso na République démocratique du Congo na est boyebi ke bazali kosambisa mwana chuchu bo constata ki bino nyonso lolenge nini ba de ba avocat na ye pardon bazaki koluka kosenga liberté provisoire na moment oyo tozali koloba pa de liberté provisoire et bakenda ki na kosenga na haute cour militaire bakende na ko arrêter kosambisa ye koloba te bazali compétente et na moment tozali koloba nyonso ezali bongo rejeté et batalicité bakosambisa mwana chuchu na haute cour militaire. Alors, chers amis téléspectateurs de AmTV, surtout le Pro Congo, on a pesi bino merci parce que vous avez wana pour nabiso biso pour nabino tolubara tozali liso nabino si ka information ezali lito inabino makolo nabino ko kito en temps réel to sala ka yango bobo mesano pour na bande ko nyonso bayebi balandaka ma mission télévision. Ozali congolais olingaka mboka na yo, kabola information mboka na yo na lolenge singeli, c'est-à-dire avec modération mais exagération dans le sens ya kotalisa makamba malamu o ezali koleka mboka. Ya mabepe o ezali koleka partager yango o dénoncer lokola biso tosalaka yango pe na ngambo na biso. Na bato nyonso balandaka biso totalisa kibino. Awa te rentré parlementaire et uti bongo kosalema mokolo ya lelo, tozela totala na ngambo na bango nini bakokende koloba pona affaire Mwanga Chuchu. Parce que na koyebisa bato ke mitu ya ba député ebele ekokweya na affaire mwana Mwanga Chuchu. Ba député ebele bakokweya parce que koyeba ye nanu azali président ya groupe parlementaire moko na kati ya Assemblée nationale elingi koloba ke na mikolo mikoya lobi to lobi kuna bokolanda bino moko lolenge nini mitu ya ba député ebele ekokweya koyeba deja ki azali na kati ya parti ya Ndeko Bahati Lukwebo, tozo kolinga pe koyeba na ngambo ya Ndeko Bahati Lukwebo, nini bazali koloba na kati na bango. Bazali ko reagir lolenge nini, parce que c'est lui le président ya AFDC. Esengeli na ye koya koyebisa biso, lolenge nini azali ko reflechir concernant likambo ekweleli moko wa ye. Te mokolo ya lelo Ndeko Bahati Lukwebo azali ko reagir te, concernant dossier où il y a député ya moto na ye ya parti na ye to kozela lobby to lobby kuna to mona nini penza ndeko Bahati Lukwebo akoloba concernant o etali bongo moko ya ba député na ye o akangami koyeba ke bango nde bazali na kati ya union sacrée aha ya ona ebisa kibinoke union sacrée e yende ko blanchir bato eyende ko sokola penza bato nyonso a mwindo bako mapembe. Me bato yo bajalelo liste bako tika la kotombola point wana te. Wana ezali esika biso tozoli kotelema. Bazali na kati ya toko benga union sacrée blanchisserie parce que bazali ko blanchir en fait bato nyonso o bazali na bosoto. Ba bombi bato nyonso o bazali na ba dega. Toloba ki yango ke union sacrée batolo lenge bazali kokotela yango ezali déjà sans vision mais avec le temps boko comprendre que bato nyonso bazali kokotezali bato bazali na ba dossier bako banga tellement que azala libanda pouvoir a critiquer pouvoir lobi bakine na kokanga e ils ne veulent pas assumer et voilà lelo bravo na ba militaire na biso bravo na ba service na biso soki bakozala lisusu na ba moyen koleka toyebi ke bako sala mosala koleka o bazali ko sala on le sait très bien ke bande ko na biso wana ya ba avocat bazali ko luka ko manigansa en fait na ngambo na bango ko travailler penza dans le sens ya ko retrouver Mwanga Chuchu libanda yango na yebisa ki bato boka mwate lobi soki bomoni Mwanga Chuchu libanda mais information o ya lelo ezali ke bandeko nyonso o balandaka biso à travers ma mission la bonne nouvelle ezali bakosambisa Mwanga Chuchu
na haute cour militaire ba ko continue ko sala mosala ndenge babandaki. Bato ebele bazo telema. Il y a de la pression. Si, ça je dois vous le dire. Pression ezali likolo. Il y a ba magistrat, il y a ba juge, oh ba simbi dossier. Pression ezali makasi. To perda juge moko pour na dossier, il y a 100 jours. Dossier ou etala ki kaka ba million ya République démocratique du Congo. Combien de fois dossier oyo eko touché ba bailleur de fonds e belé eko touché Rwanda directement. Dossier ou ezali ko touché bato nion so ba agressa ka République démocratique du Congo. Donc boye ba combien de la pression ba magistrat na biso bazali na yango contre dossier o ba simbi na maboko. Et niveau o bazali ko kende na dossier, ba ko sala makambo penza mo sala loko la pe a son âme juge yani. Na intelligence na bango o bazali ko pe sa même cour na ba avocat o ba tondi ya République démocratique du Congo ba eko samba contre la République. Parce que mwanga chuchu ko tala ye comment on a en fait affaire au ndenge ezaleli azali moto o bakoki ko ya même ko sambela été mais bon to ebi ke loi ezali pe na ma babara nu net au dessus de la loi ezali ko permettre ke ba sambela e mais tant o boko tala bino mo content ke ba congolais ezali na dossier mosu so tala lobby nazan un service moko libéral mais oh non sambate parce que eza contre mboka nanga et sengela ke azwa ba avocat na Rwanda. Ba ya na République démocratique du Congo, ba ya ko samba ponae. E ba tala lo lenge nini ba ko kate la dossier wana. Parce que les avocats, c'est comme de médecins. A ko tala dossier a yebi na epe, lo lenge nini dossier wana eko sile la. Men nga mbonae, a ko tele makaka, a ko pe se bino espoir. Eza lo kwa mwanga chuchu na madame na ye, ba zali toujours na espoir, ba yebi ka ke lobby to après lobby ba ko réussir na kati ya dossier wana, ba zali na mi solo, ainsi de suite. Mais, na ngambo mosusu, ba yebi ke na ngambo na bango, bazali na bango, na reisit a soki mokete. Men biso ma mission ti finenge to loba ki to kozala na bino, to la kiseki bino première partie, deuxième partie, troisième partie, lelo bo kozwa quatrième partie, ya prose mwanga chuchu, nde siko yo les choses sérieuses vont commencer. Po parlement deje zongi. Loko la bazo sa misen na flagrance, ba député onyo so bazali pe na simanae o mbo so alobaka kite le groupes armés ba koya pe ko samba soki lobi batangi bango boyebi bato bazala kana kati ya ba dossier sale difficilement ba ke na kana sens ya ko kende ko tanga ba kombo ya bato yo ba travailler na bango yango moni atana dossier 100 jours moto biso to bandai ko zelande ko vital kamera tanga ki eta ndima ki yaza la sacrifie, men mbongwe kota na ba poche na bango ezonga te na kesi ya leta. Tele lo kongole nyo sazali ko tuna nani ya detourna mbongo wana? Question mark. Eza loko la dossier oyo. Bato yo bazali na sima ya dossier oyo. Lobby to apre lobby, toko zo information na bango. Toko yeba. Bako démanteler bango parce que ba service na biso ko talisa ke bazali penza wana po na kosala mosala po na mboka. Service militaire ba service na biso nion so sécurité. Kozona haute cour militaire o ezali ko sambisa affaire mwanga chuchu to yebi ke lobby après lobby to kozwa bonne nouvelle. Mais to sengi na bato nion so bazali ko tia pression na ba magistrat po to zo zwa ba information wana. Dossier oyo lolenge ezali ko kendele. Ba kende na kotali sabiso lobby to lobby kuna. Le pourquoi ya bango balingi bato nyonso bazali na sima dossier bata sabiso le pourquoi bango balingi en fait mwanga chuchu akende kozwa liberté provisoire. Po tozali ko constater na bayi politique ya République démocratique du Congo. Déjà ba hôpitaux batonga kate. Bazali wana kaka soki basali makambo et komi bakanga bango, bakomi kosambisa bango na épisode jusqu'à ce que bakende ko libéré bango. Ndeko na biso kabund azali na prison.
Aloba kaka ba vérité sur pouvoir ya Félix et Tshisekedi. Mokolo alelo nde tozali koloba. Te mokolo alelo azali na prison akosenga liberté provisoire akozwa te. Alors, combien de fois moto bakangi na flagrance? Est-ce que ba député? Est-ce que pour ba député pe bazali capable ya koloba te azali na ba immunité ba koki ko sambisa elo lenge wana te bozongi se la biso na biso tozwa décision mais biso to ebite soki bakangi moto na flagrance ndenge batalisa biso ba député ebele ndeko Frank Diongo bakangaye mwanda nsemi bakangaye basambisa e ba bwaka na prison combien de fois mwanga chuchu o bakuti penza na ba arme lourde na ba munition et qu'on a la très, 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 très décevable pour le peuple congolais. Pas si peu les alinini, ba koki pe ko condamné ye. Nde ko vital kamere ba condamna ka ye. Ba ebi ke peuple congolais zan a li solikola dossier oyo, to condamné. Après avoir ko condamné, boko ya na appel. Après appel, to ko kene na kope se libération, mais so ka zui libération, abimambo kambala moko. To yebi makambango nenge izalaka. Mais to koulande la yango, yango tolobi, tout à l'heure, beaucoup joie. Exclusivité à quatrième partie. Et au etikali, tokoya, kope sabino yango, au fur et à mesure, tokolande la dossier de près. Tope sabino merci. Tokoutani tout à l'heure, na intégralité. Entre temps, bolanda, extrait, oyo, bande konabiso, ba collègue d'abiso à B1 Basali, mais bisoto ko préparer les bino quatrième partie intégralité pour que Bolanda. À tout à l'heure. Ma mission TV